La petite voix. Joyeux Noël! Cette année, La Petite Voix s'associe à Mama Édition pour vous offrir un Noël tout en douceur, tout en spiritualité et surtout tout en livres. Chaque jour de la semaine, je lirai ici l'extrait d'un livre accompagné d'un petit mot de son auteur. Je suis ravie de vous proposer ces petits moments inspirants comme des respirations dans le tumulte qui précède souvent les fêtes. Cerise sur le gâteau, ou plutôt sapin sur la bûche, devrais-je dire, nous vous offrons chaque jour un exemplaire du livre présenté. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur Instagram et Facebook, vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. La Petite Voix fête Noël, c'est parti! Rendez-vous aujourd'hui avec Céline D'Artagnan, avec son livre « Dans le noir, on voit mieux ». Cette ancienne publicitaire nous embarque dans un voyage initiatique qui va l'amener à se révéler chamane. Ce voyage nous emmène aussi par le monde au gré de ses apprentissages entre Paris, New York, le Sahara et Oulan-Bator. Vous êtes prêts ? Décollage immédiat. Nous avalons des kilomètres en une journée, passant de dune en dune, en roulant quelquefois devant des postes militaires. Nous arrivons enfin au cœur du Sahara. Sous nos yeux se dresse un massif montagneux qui abrite l'un des plus importants ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. Je m'amuse à un petit jeu avec Warzaran. La première voiture est conduite par le chef Touareg qui arrête régulièrement toute la caravane de 4x4 pour nous faire découvrir des peintures rupestres représentant des scènes de vie ou des animaux. « La prochaine fois, je te prédis où on s'arrête », dis-je à Warzaran pour plaisanter. Je strike à chaque fois. Au bout de la cinquième fois, il me regarde du coin de l'œil en m'appelant « Chouafa », celle qui voit. « Comment tu fais ?» me demande-t-il en secouant la tête de gauche à droite. Je lui explique la thèse de Jean Clotte, ce Français qui a découvert la grotte de Chauvet et qui soutient que l'art pariétal n'est pas de l'art pour de l'art, mais bel et bien des anciens sites rituels chamaniques. Je touche une première paroi, je sens la force du lieu et je traduis lorsque les esprits des lieux veulent bien me montrer. Puis, je pointe du doigt un amoncellement étrange avec quelques pierres couvertes de sable. Ici gît un homme qui vivait dans ce désert et qui avait la soixantaine quand il est mort. Warzaran confirme. Les nuits précédentes, un membre de notre groupe avait partagé une expérience au coin du feu. Cela devait être un apprentissage pour tous. Ce soir-là, c'est à mon tour de transmettre quelque chose. C'est l'heure de la cérémonie. Nous avons trois voitures devant la nôtre. Le chef s'enfonce dans un massif qui crée des enclaves en U, comme les dents d'un peigne. Lorsque, sans raison, il s'arrête, sort du Land Cruiser et fait signe de changer de direction et d'aller dans l'enceinte de droite. Une fois le camp installé, je convoque Ismaël, le chef, pour leur dire que je souhaite faire notre rassemblement dans l'enclave voisine, celle où nous devions nous arrêter initialement. Nous remontons tous avec nos chauffeurs respectifs et revenons sur nos pas, Warzaran et moi en tête. « Où veux-tu t'arrêter, Chouafa ?»« Ici, s'il te plaît, lui dis-je, en lui montrant du doigt une paroi ouverte sur le flanc gauche. » Nous descendons des voitures et je demande à chacun de s'asseoir sur le sol en formant un cercle. Les Touaregs ont comme consigne d'allumer un feu de camp au centre du cercle et de revenir nous chercher une heure plus tard. Le feu est petit et la nuit s'annonce froide. Nous sommes le 30 décembre. Quelqu'un me demande alors si je suis entrée dans la caverne contre laquelle je leur ai demandé de s'adosser. Non ? Pas encore ? Pourquoi ? Tu devrais venir voir Céline. Chris, une des filles du groupe, pointe l'intérieur de la paroi avec la lampe torche de son téléphone. Regarde, c'est quoi à ton avis ?
J'active la fonction lampe de mon propre téléphone et balaye la peinture extraordinaire qui s'offre à nous. Une petite femme en robe de pagne est dessinée. Elle dirige un groupe d'une douzaine d'hommes peints en noir. Au-dessus d'elle, deux jambes blanches semblent descendre d'un nuage, comme dans les œuvres de Jérôme Ménager. Je dirige la lumière vers mes pieds et demande à tout le monde de ne rien toucher, car c'est un site rituel encore en activité. Au sol se trouvent des bouts de verre brisés, des os de mouton et des filets de sang au pied du mur. Deux personnes du groupe de confession soufie prennent peur et se confondent en excuses avant de prendre leurs jambes à leur cou pour rejoindre à pied le campement à 20 minutes de là où nous sommes, dans le noir le plus complet. Je demande à tout le monde de regagner sa place autour du feu. Je me suis procuré un alachot, le turban bleu indigo que portent les hommes ici, pour remplacer mon costume et mon tambour puisque je ne les ai pas apportés. Le groupe est nerveux. Pour les apaiser, je leur explique ce que nous allons faire, pourquoi et comment. Je leur explique que mes On Gods sont toujours avec moi et que si je me couvre la tête et surtout les yeux, c'est parce qu'on voit mieux dans le noir. Enfin, ils devront frapper ensemble dans leurs mains. À un moment donné ou à un autre, sans qu'ils l'aient cherché en particulier, le rythme changera. Je remets ensuite à chacun un petit caillou blanc que j'avais ramassé pendant une de nos marches méditatives dans les dunes. Je finis mes explications tout en me coiffant hâtivement du halacho, car je sens que mes esprits sont à la porte et demandent à entrer. Je joue de la guimbarde, je perds le contrôle de mon corps. Mon esprit ancêtre mongol prend la parole en premier. Mais voilà que surgit un autre esprit ancêtre qui a toujours été là mais qui n'avait jamais déclaré son identité. Les morceaux du puzzle se recollent alors subitement. C'est la femme peinte sur la fresque rupestre. Elle me donne son nom et dirige une bonne partie de la cérémonie. Le groupe se met à frapper des mains lentement, puis de plus en plus fort. Chacun leur tour, ils demandent à l'esprit ancêtre du désert quelque chose d'intime et de cher. À la dernière personne, tout s'arrête. J'enlève le foulard de mes yeux pour retrouver des paires d'yeux ébahis rivés sur moi. Au loin, les phares des 4x4 se font de plus en plus lumineux. Je vérifie l'heure sur mon portable. Une heure pile est passée. Je brise le silence. « Vous en avez une tête? Comment ça s'est passé ?»« C'était à couper le souffle. On vient de vivre quelque chose de hors norme, » murmure le premier. Le feu était petit et si faible, mais dès que tu as commencé à parler, il s'est mis à s'embraser. On ne comprenait pas ce que tu disais, mais d'un coup, au moment où tu es entré en transe, ton ombre s'est projetée sur la paroi de la caverne, à côté de la peinture, » me confie un autre. « Je n'en reviens pas. Et pour toi, c'était comment ?» me demande Chris. « Eh bien, je connais l'identité d'un autre de mes esprits ancêtres désormais. Et rien que pour cela, je vous remercie du fond du cœur. » Alors Céline, dites-moi, comment votre petite voix vous a-t-elle soufflé d'écrire ce livre ? Ma petite voix m'a soufflé d'écrire ce livre quand je suis sortie d'un rendez-vous, il y a 2 ans, avec deux personnes qui sont frères et sœurs, qui se reconnaîtront, qui ont une boîte de production. Et en sortant de chez eux, en fait, j'avais raconté mon histoire pendant près de 3h15, 3h30. Et je me suis dit, ça suffit, il faut que je l'écrive. Donc voilà comment ça a commencé et comment ma petite voix m'a soufflé d'écrire ce livre. La petite voix fête Noël, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel extrait. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide vraiment à faire découvrir la petite voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Merci beaucoup et à demain pour la suite de La Petite Voix fête Noël.